D'ailleurs, c'est assez amusant parce que aujourd'hui, on parle de les centenaires. C'est, oui, oui, on était venus juste après qu'il ait été vandalisé parce qu'il y avait des encore des fils de verre. Aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a plus qu'un bout de chemin qui sert aux paysans. Puis des jardins, des tomates et des choux. Il y a Pajot qui a été enterré aussi. Pajot qui avait été un des lieutenants de charrette et qui s'était tué le soir de Noël 1795. Et Lucas de la Championnière reprochera à Lucas de la Championnière, il lui reprochera, il dira, vous m'avez laissé tuer un bien brave homme. Il est enterré à Montorgueil, Pajot. Autant vous dire que depuis 1795, il ne doit rien rester des ossements. Mais où était-ce? On sait que c'était au pied d'un pommier, mais où? Et le trésor de charrette, pour finir, s'il y en a qui veulent fouiller et aller au détecteur de métaux, je leur conseillerais d'aller du côté de la ferme de la Brennonnière. La ferme de la Brennonnière se trouve au sud-est de Chavagne-en-Paillé. Et bizarrement, sur la fin de la guerre, c'était toujours dans ce secteur, dans le secteur de la Brennonnière, que charrette convoquer ces troupes d'élite pour les soldats.